C'est depuis le sommet de la colline de l'Abbe que commence notre visite patrimoniale du village de Saint-Laurent-en-Royans, à l'endroit même où s'érigeait au XIVe et XVe siècle le château de la Bâtie, aujourd'hui disparu, et dont il ne reste plus que quelques murets, quelques pierres taillées, ainsi qu'un monticule qui pourrait être le reste d'une importante tour. Ce château était le domaine des Bérengers, barons de Sassenage. Bien connu des gens de la région, cet endroit constitue un magnifique belvédère d'où l'on aperçoit à l'arrière du village le cirque de Comblaval, célèbre par la route du même nom qui le surplombe. Avec plus de 4 km, la vallée au fond de laquelle s'écoule la rivière Le Cholet forme l'une des plus longues reculées d'Europe. Descendant jusque dans la plaine pour rejoindre la Lyonne, le Cholet récupère sur son parcours les eaux tumultueuses de la grotte de Frochet qui offre quelques jours par an seulement le spectacle magnifique d'une cascade éphémère et d'un torrent devenu une curiosité touristique. Il croise, avant d'atteindre la rivière, une ancienne voie de circulation construite il y a 2 siècles. Cette route empierrée permettait d'accéder au col de la Méchine. Elle était en quelque sorte l'ancêtre de la route actuelle de Comblaval et servait en particulier au transport du charbon de bois vers des forges situées en contrebas. Un peu plus loin, voici le pont dit des Chartreux, construit entre 1805 et 1807, c'est-à-dire plus de 15 ans après le départ des moines du Val Sainte-Marie de Bouvante. Il n'a pas été édifié au XIIe siècle par les Chartreux comme on l'a longtemps cru, mais par l'entreprise adjudicataire des travaux et société fermière du domaine de Lente. Une reproduction du pont, modèle réduit, a été réalisée par les services techniques communaux. Elle est visible sur le rond-point de l'entrée ouest de Saint-Laurent. Quelques centaines de mètres plus en aval, c'est un ouvrage plus récent qui enjambe le Cholet, un pont métallique de type Eiffel dont le tablier, porté uniquement par les culées, c'est-à-dire non soutenu par des piles, ne mesure pas moins de 50 mètres de longueur. Surnommé le pont du tram, il se situe sur le parcours, aujourd'hui démantelé, d'un tramway à vapeur qui a circulé de 1909 à 1931 sur le réseau de chemins de fer secondaires à voie métrique entre Bourg-de-Péage-Romans et son terminus situé à la limite du département, juste avant Pont-en-Royans. Ce tram servait au transport des voyageurs et permettait à des paysannes avec leurs paniers d'aller au marché de Romans pour vendre des œufs, des poulets, des lapins et des tomes. On l'utilisait également pour le transport des bois, des plateaux de noyer, de hêtres qui venaient des scieries de la région. Le petit tram transportait tout. Il y avait 5 ou 6 wagons, souvent 3 de voyageurs, 2 de marchandises, plus un wagon découvert. L'hiver, les rails étaient gelés, le tram patinait, et le mécanicien descendait de la machine pour mettre du sable sous les roues. Du pont du Cholet jusqu'à Saint-Laurent, c'était toute une histoire, car les voyageurs devaient descendre. Il ne reste plus grand-chose de cette voie de tram. Dans le village, une petite gare sauvegardée rappelle aux habitants cette époque révolue. Actuellement, le pont du tram est fermé à toute circulation, voitures et piétons. Son état jugé dangereux amène les collectivités à s'interroger sur son devenir. Démolition, création d'une passerelle ou restauration. Un peu plus loin, voici le quartier des Forges. C'est ici, profitant de la force du courant pour faire fonctionner ses installations, qu'en 1672, le marquis de Sassenage, seigneur de Saint-Laurent, installe des forges afin de répondre à une commande d'État de 276 navires de guerre. Au fil du temps, après plusieurs changements de propriétaires, les forges cesseront de battre le fer 2 siècles plus tard, vers 1864. Et il ne reste plus de l'origine de ce domaine, aujourd'hui transformé, que quelques ruines, roues à eau et canaux. L'établissement La Providence, avec ses immenses bâtiments et sa chapelle, s'inscrit depuis plus de 150 ans dans le décor de la commune. Sa création remonte à l'année 1865 avec l'ouverture d'une modeste maison sous l'impulsion des abbés Champavier et Claire. L'établissement fut d'abord géré par la congrégation des sœurs franciscaines missionnaires de Notre-Dame jusqu'en 1976, année de création d'une association loi 1901 qui prendra le relais. À l'origine, l'établissement ne recevait aucune aide publique et c'est le travail intense qui permettait de surmonter les difficultés avec le concours d'un immense jardin potager, d'un verger, d'une basse-cour et d'une petite boulangerie. Des quêtes venaient régulièrement équilibrer les comptes. Durant les vacances, les religieuses allaient quêter dans les villages du Royan et des environs, et même jusqu'à Dijon. En 1965, la Providence devient un IME-IMP, Institut Médico-Éducatif et Médico-Professionnel. À cette époque, l'établissement dispose d'un agrément pour 120 résidents. Jusqu'en 1970, la Providence était le seul établissement français à recevoir des enfants sourds atteints d'un handicap associé. Il y a plus de 40 ans, la MGEN
crée à son tour un établissement médico-social à Saint-Laurent-en-Royans, confirmant alors la vocation de la commune à développer résolument ce secteur d'activité, offrant aux habitants du territoire des opportunités d'emploi conséquentes. Dans les deux principales usines du village, textile pour l'usine Ballet et tournerie pour les établissements Bérard, métiers à tisser et tours à bois ont laissé place à de nouvelles activités bien différentes. Aujourd'hui encore, nombreux sont celles et ceux qui peuvent témoigner des durs labeurs vécus dans ces lieux, qui ont malgré tout assuré travail et prospérité durant plusieurs décennies aux habitants. Dernière née des routes du Vercors, la route de l'Arps, qui relie la commune de Saint-Laurent au col de la Machine, permet aux camions grumiers d'acheminer dans la vallée les imposants chargements de bois issus de l'exploitation des forêts d'en haut. D'année en année, cette route confirme son utilité face à la dégradation de la route de Combe-Laval, qui nécessite parfois des travaux de réfection durant de longues périodes. Disparue définitivement du Vercors drômois en 1937, l'ours s'est installé sur la place de Saint-Laurent sous la forme d'une statue. L'histoire raconte que lors d'une partie de chasse, le roi Louis XI s'est retrouvé isolé de ses hommes et a été attaqué par un ours. Deux bûcherons de la commune de Saint-Laurent, ayant entendu les cris, se seraient précipités pour venir en aide au roi et auraient oxy le dangereux animal. La découverte d'une tombe gauloise datant d'environ 2400 ans confirme une occupation ancienne du territoire. La petite commune de Saint-Laurent-en-Royans poursuit son chemin. La fête du Bleu 2022 s'inscrira sans doute d'une manière marquante dans son histoire.